Ce soir et cette nuit, à la Maison de la Culture du Havre, des cinéphiles ont un rendez-vous très très important. En effet, la MCH propose une grande nuit Raoul Ruiz. Raoul Ruiz est un réalisateur de cinéma, mais aussi, il est depuis quelques mois, le nouveau directeur de la Maison de la Culture du Havre. Les films présentés ce soir n'étaient jamais passés dans les circuits, dans les salles de la région. Alors, c'est donc l'occasion de faire connaissance avec l'œuvre de Raoul Ruiz, ce nouveau directeur de la MCH. Mais si vous voulez faire connaissance tout de suite avec ce monsieur, alors voici une très brève présentation de ce cinéaste qui est réputé pour travailler avec des petits budgets. Ce soir, je voulais montrer simplement quelques-uns de mes films pour donner une idée de choses que j'ai fait. Ce sont des films assez différents les uns des autres, ça c'est une chose. L'autre chose, qu'on a profité pour faire un rassemblement des différents partenaires qui vont travailler avec nous pendant les productions à venir. On a déjà mis en chantier 5 longs métrages, et évidemment ça coûte très cher et on ne voudrait pas engager l'argent de la Maison de la Culture qui sert essentiellement donc à amener des spectacles. Il y a d'abord un film qui a été produit, c'est un film pour la télévision, c'est un film pour enfants, c'est 3 histoires, 3 contes pour enfants. Après il y a un film de science-fiction avec un groupe rock de Grenoble. Et l'avantage, si vous voulez, de cette présentation, c'est que c'est des films qu'on a fait à peu près dans le même cadre. Et ça a été une espèce de générale, hein, de répétition générale de ce qu'on voulait faire. Ça a été fait avec la collaboration à l'intérieur de la Maison de la Culture de Grenoble, en mélangeant des techniciens et de cinéma et de théâtre et des fonctionnaires de Maison de la Culture.